Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce match de Régional 3 féminine Île-de-France qui va opposer les deux équipes aujourd'hui de Villebon Volleyball à l'équipe de Fontenay-sous-Bois. Donc on est au gymnase Saint-Exupéry à Villebon-sur-Yvette. Le match sera arbitré par Monsieur Basile Maurice. Ce match compte pour la 10e journée du championnat de Régional 3. Les classements actuels, Fontenay-sous-Bois qui est actuellement classé 4e, pardon, avec 16 points, 6 matchs gagnés pour 3 matchs perdus, et Villebon classé juste derrière, numéro 5, avec 14 points, avec 5 matchs gagnés et 4 matchs perdus. Donc on voit que ce match peut être décisif pour si Villebon gagne ce match. Par 3-7 à 0 ou 3-7 à 1, ils monteront en quatrième position à la place de Fontenay. Donc les joueuses de ce match. Alors du côté de Fontenay-sous-Bois, la numéro 2, ce sera Masson, Géani, Elodie. Si je ne me trompe pas, la numéro 1, Thévenet, Jeanne, Azig. La numéro 3, Ong, Monzi. La numéro 4, Berthelot Christelle. Numéro 5, Michel Fabienne. Numéro 7, Bourgeret Nadège. Numéro 8, Charpentier Anne Fleur. Numéro 10, Kant Aminata. Et la numéro 15, Toré Marie. Donc ça, c'était pour l'équipe de Fontenay-sous-Bois. Pour l'équipe de Villebon, la numéro 1, Hilario Marilyn. Marie pour les intimes. La numéro 3, Pelbeler Mathilde. Matou pour les intimes. Numéro 4, Véronique, Aim Véronique, Véro pour les intimes. La numéro 5, Crans Rosemary, Rosie pour les intimes. Numéro 6, Brunet Alix, Alix pour les intimes. Voilà. Numéro 7, Pelbeler Margot. Margot. Numéro 8, Chambry Perrine, Pépette. Numéro 9, Vache Virginie, Vivi. Numéro 13, Lopez Alexandra, Alex. Numéro 15, PO Joséphine. Et numéro 17, alors c'est Joe hein, pour la numéro 15. Numéro 17, Vacar Valérie, Val pour les intimes. Voilà, donc la présentation des équipes qui vont s'opposer cet après-midi au gymnase de Saint-Exupéry à Villebon. Donc on vous remercie déjà d'être parmi nous si vous regardez ce match. N'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, sur la page de notre site www.asvtv.fr. Il y a des news, si vous avez des informations, si vous voulez qu'on diffuse des événements pour vous, quoi que ce soit, faites appel à nous. Donc aujourd'hui, et comme d'habitude maintenant, derrière la caméra, on a Anthony Toulouse, donc qui va être derrière la caméra cet après-midi. Derrière l'ordinateur, ce sera Frédéric Lagage. Et derrière le micro, moi-même, Rémi Delpy. Voilà, donc le coup d'envoi, entre guillemets. Donc les deux équipes sont appelées sur le terrain pour le lancement de ce début de match. Donc l'entraîneur de l'équipe de Villebon, comme d'habitude, Michael Parchemin. Ah, donc le service pour Fontenay. La numéro 8 de Fontenay. Anne Fleur. Et c'est parti. Service. Tenu par Véro. Véro qui enchaîne sur une attaque. Tenu par le libéro de Fontenay. Attaque au poste 2. Bien défendu de la part de Pépette. C'est dommage. Ah, premier point en faveur de Fontenay.
On est reparti. Toujours au service à numéro 8. Et une récepte manquée pour Rosy. Allez, deuxième point en faveur de Fontenay. Allez, service dehors cette fois. Allez, Rosy au service, numéro 5 de Villebon. Très belle attaque de la part d'Alix. Donc 3 partout. Tu te balades sur le terrain, tu fais comme ça. Allez, 3 partout. Matou au service. Ah, c'est bien. Un ace pour Matou. 4-3 en faveur de Villebon. Matou toujours au service. C'est bien servi encore une fois. Au centre pour Fontenay. Défendu par Véro. Quatre partout. Allez. La centrale de Fontenay au service numéro 10. Bien tenu par Véro. Deuxième balle. Deuxième main, pardon, pour Pépette. Poste 4 pour la numéro 5. C'est défendu par Véro. C'est renvoyé de l'autre côté par Alix. Allez, au centre. L'attaque à out pour Fontenay. Alix au service. Très bien servi de la part d'Alix. Ah oh, c'est bien poussé. Bien. Elle poussé un peu dans le fil là, la passe de la numéro 8 de Fontenay. Donc difficilement attaquable par la numéro 3. Allez, toujours Alix au service, numéro 6 de Villebon. Dans le filet, cette fois. 5 à 6 en faveur de Villebon. C'est bien tenu de la part de Véro. C'est poussé. C'est bien attaqué. C'est défendu. Allez. C'est défendu encore de la part de Véro. Mais c'est surtout bien attaqué la numéro 4 de Fontenay. Donc deux grosses attaquantes là de ce qu'on peut voir en ce début de match. La numéro 4 et la numéro 3 du côté de Fontenay. Alors Joe à la récep. Allez au poste 2. C'est déposé par le centre. Belle passe, belle attaque avec un bloc out. Belle attaque de Vivi. Virginie.
qui passe d'ailleurs au service. Réceptionné par le libéro de Fontenay, c'est renvoyé facile. Bien tenu de la part d'Alix au centre. Pour Rosy. Poste 4. Ouais. La passe un tout petit peu poussée de la part de Pépette. Et Véro qui ne franchit pas le filet. Allez, la numéro 5 de Fontenay au service. Petit service. Et temps mort. Temps mort technique. 8 à 7 en faveur de Fontenay. Allez, on est reparti. Service out pour la numéro 5 de Fontenay. Pépette au service. C'est une petite relance facilement. Bien défendu de la part de Matou. Dommage, une défense qui sort. La numéro 1. Une attaque dans le filet pour Véro. Numéro 1 toujours de Fontenay au service. Un service out qui a été pris par Alix. Et un temps mort demandé par Villebon. Allez, on est reparti. Allez, toujours la numéro 1 de Fontenay au service. Tenu par Matou, poussé au poste 4 par Pépette. Belle attaque de Matou, les bras. Bien, très belle attaque. Elle a touché les mains du bloc, pardon. Et ça marque. Allez, Véro au service pour Villebon.
attaque. Ah, service qui touche la bande du filet et qui retombe du côté de Fontenay. Allez, toujours Véro au service. Bien servi de la part de Véro encore. Deux services d'affilée pour Véro. Très bien. Bien servi encore, c'est renvoyé directement. Ah là là, dommage, le bloc qui marche pas du côté de Villebon. Un petit service, bien servi de la part de Fontenay, c'est renvoyé par Véro. Bien tenu par la libéro. Allez, au centre. Avec un bloc de la part de Villebon. C'est renvoyé, facile. Et Véro qui fait une petite défense. Et derrière, ça ne joue pas. Numéro 8, la passeuse de Fontenay au service. Bien tenu de la part de Véro. Allez, au poste 4 pour Alix. Alix qui prend la ligne, magnifique ligne. Ah non, elle est dehors. Et un temps mort demandé par Villebon. Allez, on est reparti, toujours la numéro 8 de Fontenay au service. Aïe aïe aïe, le récep. Toujours la numéro 8 au service. Bien servi encore. Le Véro là qui se fait avoir plusieurs fois sur le service. Service court, elle n'a pas le temps. Et temps mort technique en faveur de Fontenay. 16 à 11. Allez, on est reparti. Les filles de Fontenay qui donnent de la voix. Allez, toujours numéro 8 de Fontenay au service. Encore bien servi. Véro qui la prend encore sur le côté. Ça va être renvoyé par Joe. Ah non, c'est pas renvoyé par Joe. Ah, la réception de Villebon là qui a un petit peu de mal. Et Mickaël qui va demander un changement de joueuse. L'entrée d'Alex à la place de Pépette. Alex numéro 13.
Et toujours la numéro 8 de Fontenay au service. 17 à 11. Ah, cette fois dans le filet. Allez, 12-17. C'est le moment de surprendre du côté de Villebon. Allez, changement de joueuse. Entrée de Margot, numéro 7, à la place d'Alix, numéro 5. Margot au service. C'est bien servi, mais c'est bien tenu aussi par Fontenay. Belle attaque, c'est contré. Un petit manque de soutien là du côté de Villebon. Tenu par Margot, ça va être renvoyé par Véro de l'autre côté. Belle attaque. Ah non, attaque out par Véro. Allez, 19 à 12 en faveur de Fontenay. Numéro 4 de Fontenay au service. Attaque dans, service dans le filet. Difficile. Margot au service. Margot, pardon. La sœur, Mathilde, Matou. Service rasant, très bien servi. Ça va être envoyé facile du côté de Villebon. Défendu par Margot. Alex au centre avec Virginie, petite bidouille, défendue par la numéro 3, c'est bien renvoyé. Virginie qui fait la défense. Alex qui pousse au poste 4 pour Alex qui met dans le filet. Allez, 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 il faut se ressaisir, là c'est maintenant 20 à 13. La numéro 10 de Fontenay au service. C'est tenu par Véro. Et les filles qui se regardent là, au lieu d'aller chercher la balle, faut y aller tout de suite. Allez, allez. Allez, 3 à la récepte. Matou, Margot, Véro. Bien servi, Matou qui réceptionne. Allez, au poste 2 pour Matou, justement. Bloqué, qui défend, c'est poussé. Matou qui refait une belle défense. Deuxième main pour Alex, un peu trop haute peut-être pour la défense. Au centre pour Fontenay, c'est défendu par... Allez, ça joue un peu au ping-pong là. Allez, au poste 4, belle attaque pour Marie. Attaque out qui n'est pas touchée par les mains du bloc. Allez, première attaque de Marie. Allez, 22 à 13 en faveur de Fontenay. La numéro 10 de Fontenay au service. Service lobé, on va dire. Allez, au centre pour Virginie. Belle attaque au centre pour Virginie, mais c'est défendu du côté de Fontenay. Numéro 5, facilement récupérable par Margot. Allez, au poste 2 pour Matou. Matou qui pose la malle. Alex, Matou qui fait la passe au centre pour Virginie. Une belle attaque diagonale, superbe. Bien tournée de la part de Virginie. Avec une belle passe de la part de Matou. Ah, service out pour Marie. Allez, 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 allez. Faut se mettre dans le prochain match, le prochain set, pardon. Là, il faut oublier celui-là, hein, 23-14 en faveur de Fontenay. Allez, la numéro 3 de Fontenay au service. C'est bien, bien réceptionné de la part de Véro. Oh, quel beau bloc de la part de la centrale numéro 1 de Fontenay. Petite bidouille, superbe attaque de la part de Véro, c'est joué avec la tête juste derrière le bloc, dans le petit trou. C'est très bien fait.
Ouais, 14-23. 15-23. 15-23. Allez, Vivi au service. Bien servi encore. C'est directement Margot qui était au centre, qui a essayé de mettre les mains. Alex. Ah, Alex qui met la deuxième main dans le filet. Allez, balle de 7, 24 à 15 en faveur de Fontenay. Et Alix qui reprend. Non, c'est Rosie, pardon, qui reprend sa place. À la place de Margot. Allez, à numéro 5 de Fontenay au service. Allez, ça avise dans le filet. 24 à 16. Alex au service. Bien servi de la part d'Alex. Au poste 2. Qui touche la bande du filet. Alex à la passe. Poste 4. Pour Véro. Et c'est bloqué. Voire même non franchi, je sais pas. Non, c'est bloqué. Par Fontenay. Et voilà, le premier set en faveur de Fontenay. 25 à 16.
Allez, on est reparti dans ce deuxième set. Donc un 7 à 0 en faveur de Fontenay. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est sur la 10e journée du championnat régional 3 d'Île-de-France senior féminine qui oppose l'équipe de Villebon-sur-Yvette à Fontenay-sous-Bois au gymnase Saint-Exupéry de la ville de Villebon-sur-Yvette. Allez, Alix au service. Bien servi, difficilement tenu. Ça marque d'ailleurs, c'est considéré comme un ace pour Alix. 1-0. Toujours Alix au service, c'est numéro 6. C'est tenu au poste 4, c'est poussé, c'est difficilement attaquable, mais c'est attaqué de la part de Fontenay. Matou pour le centre, pour Virginie, défendu encore pour la numéro 4 de Fontenay. C'est défendu par Alix, Pépette à la passe pour Véro, qui pousse le long de la ligne, défendu par le libéro de Fontenay. Poste 4 pour la numéro 4 de Fontenay. Allez, au 3 mètres pour Margot, qui met dans le filet. Malheureusement... Margot qui fait la récepte, difficilement remontable. Poste 2 pour Matou, c'est contré. Matou qui passe à la passe pour Véro, qui met la balle directement dans le filet. Allez, 3-1-1 en faveur de Fontenay. La passeuse de Fontenay au service, numéro 8. Margot à la récepte. Joe pour la passe. Margot qui renvoie de l'autre côté directement sur la passeuse. Très bien joué. La numéro 3 qui met une petite balle longue ligne. Derrière... Joe, je crois. Ouais, derrière Joe, longue ligne, donc ça marque encore. 4-1 en faveur de Fontenay. Là, toujours la passeuse de Fontenay au service, numéro 8. Tenu par Matou. Matou qui attaque dans les mains du bloc, qui redéfend derrière. Allez, au centre pour Virginie qui pousse. C'est défendu. Ah! Une faute de pénétration sifflée contre Fontenay. Une belle pénétration, on l'a vu sur le replay. Allez, Matou au service, numéro 3 de Villebon. Bien servi de la part de Matou. Allez, attaque de la numéro 3, c'est défendu. Vivi qui pousse. Allez, c'est renvoyé. Margot à la défense. Une belle attaque de la part de Vivi. C'est défendu. Véro. Allez, encore au centre. Encore pour Virginie. Mais c'est encore défendu par la numéro 5 de Fontenay cette fois. Défendu de la part de Margot. Au poste 4. Pour petite balle. Super petite balle de la part de Véro. Et un bon point en faveur de Villebon. Allez. 4 à 3 en faveur de Fontenay. Matou au service. C'est réceptionné difficilement. Allez, au centre. Belle attaque de la part de la numéro 10 de Fontenay. Vivi au bloc l'avait touché. Mais ça passe quand même. Allez, 5 à 3. 2 points d'écart. C'est pas grand chose. La numéro 4 de Fontenay au service. Et un service qui touche la bande du filet et qui marque. 6 à 3.
Allez, service dans le filet cette fois. Quatre à six. Une fixe tentée du côté de Fontenay. Et la fixe qui passe pas, qui est directement dans la bande du filet. Allez, toujours Véro au service, bien servi encore de la part de Véro, mais c'est tenu. Allez, Véro à la défense, au poste 4. Pour Margot qui se fait contrer par la numéro 10 de Fontenay. Un très beau contre. Allez, Véro à la récep. Poste 2 pour Vivi qui touche les mains du bloc. C'est défendu. La numéro 8 à la passe. Qui pousse un peu sa passe. Qui défend. Margot qui défend, pardon. Allez, poste 2 cette fois. Ah, la bande du filet. Ça joue. Numéro 5. Touche les mains du bloc. Virginie qui fait une deuxième main direct. Allez, au centre pour la numéro 1. C'est défendu. Margot qui renvoie la balle. Poste 2. Touché par les mains du bloc. Joe à la défense. Aux 3 mètres pour Matou qui est défendu. Allez, au poste 4, numéro 5. Super point. Allez, Pépette. Margot essaye de finir ce point. Voilà. Et c'est fini. Super. Une belle attaque de la part de Margot. Et qui conclut ce superbe point. Allez, Vivi au service, la numéro 9 de Villebon. Bien servi, c'est tenu. Allez, dehors. Attaque dehors pour Fontenay. Allez, 7 égalités là, faut aller chercher ce temps mort, les filles. Virginie, toujours au service, numéro 9. A bien servi encore, c'est tenu par la récep de Fontenay. Une belle attaque, les mains du bloc. Les mains du bloc n'étaient pas énormément franchies. Ah si, elle passe entre les deux, donc ça marque. Allez, temps mort technique en faveur de Fontenay, 8 à 7 dans ce deuxième set. Allez, on est reparti là. C'est le moment de se ressaisir, d'aller chercher tous les points pour l'équipe de Villebon là, s'ils veulent gagner. Allez, Véro à la récep. Au centre pour Alix. Belle attaque au centre, mais c'est défendu. La numéro 8 qui va pousser. Véro à la défense, superbe défense. Au poste 4 pour Margot. Margot qui pose derrière le bloc. La numéro 8 qui va renvoyer du côté de Villebon. Allez, c'est renvoyé encore, facile. Allez, Véro à la défense. Pépette à la passe, au centre pour Alix. Ah, qui fait une attaque out. 9 à 7.
Allez, la numéro 3 de Fontenay au service. Attaque aux 3 mètres pour Véro, très belle attaque, c'est touché par les mains du bloc. Allez, poste 4 pour la numéro 5 de Fontenay, défendu par Véro, Pépette à la passe, poste 4 pour Margot. Margot qui touche les mains du bloc, mais c'est défendu encore par la libéro. Véro, encore un long point, allez au centre pour Alix, qui met dans le filet. Aïe, 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 c'est difficile. Elle était peut-être partie un petit peu tôt là sur cette attaque. Alix, allez, Alix qui sort justement et qui est remplacé. Par Valérie. Oui. Pardon. Oui, j'ai pas fini ma phrase, pardon. Qui est remplacé donc par Valérie. Allez, bien tenu de la part de Véro. Valérie justement au centre. Ah là 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 là, la deuxième balle qui tombe au fond du terrain. Juste avant la ligne. Allez, temps mort demandé par Villebon, 11 à 7. Allez, un numéro 3 de Fontenay, toujours au service. 11 à 7 en faveur de Fontenay. Véro, encore à la récep. Allez, poste 4 pour Margot qui tape les mains du bloc. Ça fait un petit plof dans les mains du bloc. Et ça marque. Allez, Pépette au service. Allez, mauvaise récepte pour la numéro 4 de Fontenay et ça marque pour Villebon. Allez, Pépette à la passe. Allez, poste 4 pour Margot qui pose la balle derrière le bloc et ça marque. Elle attaque pas, elle pose les balles en ce moment, Margot. Mais ça marque, alors faut continuer. Allez, Pépette toujours au service. 10-11, elles sont revenues à un point, les filles de Vidbon. Allez, au centre, c'est touché par le bloc. Véro qui défend. Allez, au poste 2 pour Matou. Ah ! Matou qui pose la balle derrière le bloc. Et un temps mort demandé par l'équipe de Fontenay. Yeah.
Allez, on est reparti. Allez, c'est une belle défense. Allez, ça joue. Ah non, ça joue pas. C'est dommage. C'est dommage. C'est bien battu de la part de Matou. Allez, poste 4 pour Matou. Matou qui touche la bande du filet, mais c'est défendu. Val à la défense. Allez, encore défense. Au centre, encore par Val. Qui met la balle en diagonale. Allez, c'est renvoyé, facile. Défendu par Véro. Poste. Belle attaque de la part de Margot, superbe. Elle a lâché le bras cette fois. Ah, très bien joué de la part de Val. Allez, Margot, service numéro 7. Il y a un changement de joueuse demandé par Fontenay, la numéro 1 qui sort, l'entrée de la numéro 15. Changement de centrale. Allez, Margot au service. Tenue par la libéro, la numéro 2 qui fait la passe. Pépette qui a fait la défense, Matou pour le centre, pour Val. Qui met la balle sur la bande du filet. Allez, allez, très égal là. Numéro 15 de Fontenay au service, Pépette à la passe, allez, belle attaque de Véro, qui est défendu, va être renvoyé par la numéro 10, Véro à la défense, qui fait une défense directe, allez, ah là là, c'est dommage, Joe qui avait fait une belle défense, ah et Margot qui n'a pas suivi, c'est dommage, c'était bien joué. Allez, Margot à la réception. Matou au poste 2. Belle attaque de Matou, mais qui est encore défendu. Allez, Matou encore à la passe pour Véro au poste 4. C'est défendu encore. C'est renvoyé par la numéro 10. Allez, belle défense au centre. Ah, c'est encore défendu. Allez. Bien défendu de la part de Pépette au centre pour la numéro 10. Encore défendu par Pépette, mais c'est renvoyé directement chez l'adversaire. Allez, c'est renvoyé, facile. Val à la défense, poste 2 pour Matou. Met la balle, défendu. Défendu encore par la part de Pépette, mais ça a renvoyé direct. Allez, poste 2. Belle attaque de la part de Margot. Allez, ça joue. Renvoyé facile, Margot à la défense, Pépette à la passe, poste 4 pour Véro, qui pousse, c'est défendu encore. Allez, Margot encore, allez au centre pour Val, voilà. Oui voilà, qui pose les balles. La balle derrière et les trois joueuses, la 2, la 3 et la 4 de Fontenay qui sautent dessus pour essayer de la prendre, mais ça marche pas. Très bien joué de la part de Val. Un beau point encore, là ça fait plusieurs points qu'on voit là pendant ce match où ça joue bien. Ça a du mal à finir les points mais ça joue. Allez, Val au service, c'est tenu par la numéro 3 de Fontenay. Pour la numéro 10, belle attaque, touchée par les mains du bloc. Pépette qui pousse la balle. Un tout petit peu trop dans la mire. Et Véro qui a du mal. Qui la passe pas d'ailleurs de l'autre côté.
Allez, 15 à 14 en faveur de Fontenay. Un point d'écart seulement. Service out. Allez, 15 partout. Allez, Matou au service. Numéro 3 de Villebon. Ah, service à out pour Matou. Et temps mort technique en faveur de Fontenay. 16 à 15. Allez, on est reparti. La numéro 4 de Fontenay au service. Bien tenu de la part de Joe. Allez, belle attaque de la part de Vivi. Allez, pour la numéro 3 de Fontenay. Touche encore. Et un temps mort demandé par Villebon. Allez, c'est reparti, numéro 4 de Fontenay au service. Tenu par Matou. Allez, Pépé est au poste 4 pour Véro. Véro, qui belle attaque de la part de Véro. La numéro 2 qui fait sa passe. Matou, défense. Pépé est au centre. Et ça joue. Et la balle qui touche le sol. L'arbitre qui siffle en faveur donc de Fontenay, 18 à 15. Allez, c'est tenu par Joe. Deuxième main pour Pépette. C'est poussé au poste 4, un peu dans le filet. Pépette qui fait le bloc. Et Vivi qui oublie derrière. Un changement de joueuse demandé par Mickaël, la sortie de Véro et l'entrée de Rosy. Ouais, encore la numéro 4 de Fontenay, elle nous fait une série au service là. Et les supporters de Villebon qui commencent à se faire entendre un petit peu là. Aïe, 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 Margot qui loupe.
Ça, récepte 20 à 15. Voilà, 5 points d'écart sur 5 erreurs de la part de Villebon. C'est un peu dommage. Allez, l'entrée d'Alex, numéro 13, à la place de Pépette. À la passe. Allez, allez, allez. Numéro 4 de Fontenay au service. Allez, faut se reprendre. C'est maintenant, c'est tout de suite. On va chercher tous les points. Joe à la récepte, Matou qui fait la passe. Poste 4, c'est défendu. Oh, belle attaque, bien défendue de la part de Matou. Et une mésentente entre Matou et Joe, Margot et Joe. Mais qui renvoie pas, ça c'est un peu dommage. Allez, 21 à 15. Allez, allez, c'est tout de suite. Touche la bande du filet pour la numéro 4. Belle passe. Et le bloc qui marche pas, la balle qui touche la bande du filet. Pas grand chose qui va là pour Villebon. 22 à 15 dans ce deuxième set. Toujours la numéro 4, la sortie de la numéro 5 et l'entrée de Véro. Sortie de Rosie et l'entrée de Véro du côté de Villebon. Et encore la numéro 4 de Fontenay au service. Il va falloir penser à changer de position là du côté de Villebon. Aïe aïe aïe, Véro qui fait mauvaise récepte. 23 à 15. Je sais pas combien de points ça fait là pour la numéro 4 au service, mais ça commence à faire pas mal. Ouais, service en dessous du filet cette fois. Suffisait de le dire pour qu'elle le mette en dessous. Nickel. Allez, 16-23. Véro au service. C'est tenu. Allez, la numéro 5 qui renvoie. Joe à la défense. Alex au poste 4 pour Margot. Margot qui plante. Voilà, une belle attaque de la part de Margot. Allez, Véro, toujours au service. Il faut pas louper là. Encore sur libéro. Une deuxième main superbe pour Alex. Dans le trou, derrière, ça marche. Et temps mort demandé par Fontenay. Allez, on est reparti. Véro au service. 18-23. Bien servi de la part de Véro. C'est tenu par la numéro 4. Ah, et une petite balle de la numéro 10 derrière le bloc. Et ça marche. Ah,
Allez, la numéro 10 justement de Fontenay au service, la centrale. Service out. Virginie au service. Bien servi de la part de Virginie, c'est tenu par la libéro. Véro. Deuxième main encore superbe de la part d'Alex. Très bien vu ça. Hop, dans le petit trou au milieu du terrain. C'est très bien fait de la part d'Alex. Ah, la libéro qui fait une mauvaise réception cette fois. Petite balle, facile, allez. Vivi, allez. Belle attaque, c'est tenu encore par la libéro. Numéro 5 qui met une attaque complètement en dehors de Mir. Et ça marque, allez, 21-24. Les filles de Fontenay qui ont du mal à finir ce set et c'est tant mieux pour nous. Allez, Vivi au service, numéro 9. Ça défend plutôt pas mal hein, du côté de Fontenay. Bien servi de la part de Vivi. Ça va être envoyé numéro 5. Attaque à out. Ah là, une belle attaque dehors pour la numéro 5. Allez, la numéro 8 est en changement du côté de Fontenay. La numéro 2, passeuse qui ressort et la 8 qui reprend sa place. À la passe. Allez, Vivi, numéro 9, au service. Beau service à renvoi, facile. Allez, Vivi à la défense. Pour Alex qui fait une deuxième main. Pour Val. Voilà. Allez, elles sont venues à un point. Allez. 23-24. Elles reviennent de loin là les filles de Villebon. Plus qu'un point. C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher surtout. Bien servi de la part de Vivi. Allez. Pour la numéro 3. Allez, ça joue. Véro, ça va être envoyé. Ah là là, c'est dommage. Finir là-dessus, c'est dommage. Elle était bien remontée. Finir sur une mésentente comme ça du côté de Villebon, c'est un peu dommage. Bon, deuxième set en faveur de Villebon, en faveur de Fontenay, pardon. 25-23. Alors on se retrouve tout de suite dans quelques instants pour le troisième set de ce match.
Allez, on est reparti. Allez, troisième set dans ce match de Régional 3. Île-de-France, senior féminine. Et Vivi qui pose le ballon au fond du terrain et ça marque. Allez, ça va être envoyé, facile. Matou à la défense, Alex au poste 4 pour Margot. Il peut y avoir un spectateur complètement heurté par la libéro qui essaie de récupérer cette balle. Allez, au centre. Défendu de la part de Véro. Au centre. Pour Val qui se prend un énorme bloc de la numéro 10 de Fontenay. Allez, la numéro 4 de Fontenay au service. Celle qui avait fait tant de mal au deuxième set là. À Villebon. Allez. Oh, belle diag trouvée par Margot. Magnifique diag. Oh, superbe. Dans les lignes, dans la ligne du terrain, là, superbe. Petite diagonale. Allez, Alex, au service. Numéro 13 de Villebon. Service out. Un tout petit peu trop haut. Trop long. Allez, la numéro 10, centrale de Fontenay au service. Allez, Val qui tape de l'autre côté, c'est défendu. Poste 4. Le contre de Val dans le terrain. C'est dommage. Elle n'avait pas franchi là, elle avait gardé les balles, les mains de son côté. C'est retombé directement. Allez, encore la numéro 10. Au service de Fontenay. Et voilà, réception poste 2 pour Margot. Margot. C'est défendu du côté de Fontenay. Allez, Véro à la défense. Les passes sont difficiles du côté de Villebon. Allez, au centre. Véro encore à la défense. Aïe, 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 le bloc de la numéro 1 de Fontenay. C'est dommage. Ça joue bien là. Allez. Encore la numéro 10. Véro à la récep. Margot. C'est défendu. Poste 4. Véro. Allez, 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 allez. 5 à 3 en faveur de Fontenay et un temps mort demandé par Mickaël Parchemin, l'entraîneur de Villebon. 5 à 3, allez. Juste 2 points. C'est pas grand chose, il faut se reprendre tout de suite et aller chercher tous ces points là.
Allez, toujours la numéro 10 de Fontenay au service. Petit service, c'est bien servi. Alex qui renvoie la balle. Allez au centre pour la numéro 1 qui pose la balle. Ah là là, Alex qui fait une petite défense. Un peu trop petite. Qui n'a pas pu être remontée. Allez, 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 faut se remotiver tout de suite. Faut pas baisser la tête. Et on va chercher tous les points là. Allez, 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 allez. 6 à 3. Matou à la récep. Alex qui met la balle de l'autre côté. Alex qui défend. Ah, point pour Fontenay, pénétration. Ah, de la part de Valérie, si je ne m'abuse. Je ne suis pas certain. Changement de joueur demandé. Bon, il y a une petite faute sifflée par l'arbitre. Et donc un changement de joueuse qui a été demandé. L'entrée de Marie sur le terrain, numéro 1. Véro à la récep. Marie qui fait une petite balle de l'autre côté. Ah là, c'est dommage, la défense de Marie un peu derrière. Aïe aïe aïe, temps mort demandé par... Ah non, temps mort technique, pardon. En faveur de Fontenay, 8 à 3. Allez, toujours la numéro 10, une série au service pour la numéro 10 de Fontenay. Marie à la récep qui renvoie direct. Ça va être envoyé, facile. Allez, Véro à la défense. Alex. Oula, poste 3 un peu derrière pour Marie. Marie qui tape bien. C'est défendu au poste 2 pour la numéro 3. Véro encore à la défense. Au centre. Poste 6 pour Véro qui a enchaîné. Et une pénétration. Sifflé. Ah, on voit pas très bien sur le ralenti, mais une pénétration sifflée par Basile, l'arbitre de cette rencontre. Margot service 8 à 4 en faveur de Fontenay dans ce troisième set. Ah, direct, balle. Voilà, belle deuxième main pour Valérie. Un retour direct. De la récep de Fontenay. Elle met la balle dans le terrain. Super. Allez, Margot, toujours au service. 8 à 5, 3 points. C'est pas grand chose. On peut aller les chercher. Beau service. Direct encore. Alex. Val au centre. C'est défendu. Poste 4 pour Fontenay. Qui pose la balle derrière les mains du bloc. Mais non. Aïe, 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 aïe. Valérie un peu en retard sur ce bloc, je crois. Ouais, un peu en retard. Et encore les mains du côté de son, dans son terrain. Allez, 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 allez. Faut se ressaisir maintenant là. 9 à 5. Numéro 3 de Fontenay au service. La capitaine Margot à la récep. À poste 4.
Deuxième main, Alex à la défense, Marie à la passe, deuxième main. Oh, très belle, très beau point de la part de Marie qui pose la balle au fond du terrain où il n'y avait personne, très bien vu. Ça marque. Allez, 9 à 6, 3 points toujours. Valérie au service du côté de Villebon. Petite balle bien servie, retour direct. Alex à la défense, Marie à la passe. Au centre pour. Oh, superbe attaque! Vivi qui plante une diag. Superbe. Tenu par la récep. Allez, la poste, la numéro 1, pardon, de Fontenay. Alex, à la passe au centre pour Vivi. Encore une belle attaque de la part de Vivi. Allez! Et ils reviennent à un point. Un point. 9 à 8. Valérie au service. Bien servi encore. C'est tenu par la libéro. Au centre pour la numéro 1, petite balle, c'est défendu. Ah, Marie. Ah là 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 là. C'est dommage, c'était très très bien défendu, c'est bien joué. Ah, la numéro 1 qui a planté sa petite diag au fond là-bas. Ah, c'est bien. On continue comme ça, là, il y a de l'envie dans tous les points, c'est ce qu'il faut. Allez, allez. Et tout de suite, 2 points d'écart, 10 à 8 en faveur de Fontenay. Joe à la récep, belle récep. Allez, poste 4. Contrée de la part de Vivi. Allez, pour la numéro 3. Bien. Au centre pour Vivi encore, qui pose derrière. Ça va être renvoyé. Voilà, c'est bien vu. Très bien vu de la part de Vivi. Elle n'a pas cherché à taper direct dans la balle, elle l'a posée derrière, elle a laissé jouer l'adversaire. Qui a fait une erreur, c'est très bien. Allez, Marilyn au service. Bien servi de la part de Marie. Allez, ça va être la numéro 3 qui va la renvoyer, facile. Marie à la défense. Deuxième main pour Alex, là il y avait du monde. Cette fois, allez, poste 4. C'est défendu par Joe avec un retour direct. Allez, ça va être renvoyé facile. Margot, allez Marie au poste. Ah là 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 là, la balle un petit peu basse. Marie qui essaie d'accélérer, qui la met directement dans le filet. C'est pas maintenant qu'il faut faire ce genre d'erreur. 11 à 9. Allez, 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 allez. Maxime, un mot pour les téléspectateurs. Bah voilà, super match pour l'instant. Voilà le marqueur de ce match. Il tourne les feuilles pour indiquer le score. Aïe aïe aïe. Joe qui loupe sa récep. Allez, allez. Numéro 1 de Fontenay au service. Bien servi. Joe, cette fois, la récep, c'est mieux tenu. Allez. Ouf. Une attaque dehors pour Margot. C'est dommage. Ah, service à out pour la numéro 1 de Fontenay cette fois. Allez, 13 à 10, 3 points d'écart dans ce troisième set. 2-7 à 0 en faveur de Fontenay. Véro au service, numéro 4 de Villebon. C'est tenu par la récep au centre. Ah, c'est dommage, c'était défendu. Il y a un petit peu moins d'envie là, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Villebon. Ça se bat un peu moins sur les balles là, il faut aller les chercher. Il manque pas grand chose là. Hein. Allez, 4 points d'écart, 14 à 10. La passeuse de Fontenay au service, la numéro 8, c'est tenue par Marie à la récep. Véro qui tape
défendu par la numéro 3 de Fontenay qui enchaîne. Véro à la défense, superbe. Allez au centre pour Vivi. Voilà, qui touche les mains du bloc, la numéro 10, super. C'est bien joué ça. Allez Val qui refait son entrée au terrain, sur le terrain devant. Et Vivi au service. Oh la fixe. La fixe de la numéro 10 de Fontenay, super bien vu. Superbe. C'était dans le timing, c'était bien joué. Allez, la numéro 4 au service pour Fontenay. Petite balle bien touchée par Véro. Bien Joe sur la défense. La 8 à la passe. Ah là 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 là, et là il manquait du monde derrière le bloc là. Et le temps mort technique en faveur de Fontenay. 16 à 11. Allez, numéro 4 encore au service du côté de Fontenay. Ça va être tenu par Véro. Allez, c'est renvoyé. Difficilement, mais c'est renvoyé. Oh, encore une fixe. C'est défendu cette fois par Véro. Superbe. Encore une fixe, non? Au poste 2. C'est touché par les mains de Margot. Au poste 4, elle va attaquer. Touché par le bloc, la numéro 3 qui bloque. La libéro qui fait la passe. Petite balle. Et une belle défense de la part de Marie et la numéro 10 qui loupe complètement son attaque. C'est très très bien joué là. La 10 qui cherche la diagonale mais qui la met dehors. De Fontenay. Encore une fixe hein, pour du côté de Fontenay. La deuxième du match qu'on voit. On rappelle aux téléspectateurs qu'une fixe quand même c'est quand on a une bonne récepte, une bonne passeuse. Ça joue. Et une balle out pour la numéro 10. Donc c'est quand le jeu est bien posé qu'on arrive à jouer en fixe en règle générale, hein, on évite de les forcer parce que c'est des balles difficiles. Et pour la passeuse et pour l'attaquante au centre, il faut être dans le timing, il faut être bien dedans. Donc c'est assez difficile à jouer, donc là c'était très bien vu. Allez, changement de passeuse du côté de Fontenay, la numéro 8 qui sort et l'entrée de la numéro 2. Allez, c'est tenu par la réception de Fontenay, au poste 2 pour la numéro 3, c'est touché par les mains du bloc, il n'y a pas de soutien. Et c'est difficile, 17 à 13 dans ce troisième set. Ah, Marie, ah, c'est Joe qui est allé, allez. Voilà, très bien de la part de Margot devant. Allez Margot. Voilà, elle a poussé. Ah, au poste 4, les blocs. Ah là 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 là.
J'ai l'impression qu'elle a été un peu collée l'attaque là. Peut-être qu'une vie. Ah non, 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 c'est bon. Bon, il y a de la défense, mais les filles du côté de Villebon qui ont du mal à finir là, c'est un peu fouillon, un peu brouillon, pardon. Fouilly, c'est pareil. Allez, Marie à la récep. Allez, 3 mètres pour Véro. Voilà, qui met la balle dans le filet et 19 à 13 en faveur de Fontenay. Là, c'est difficile, hein. Et un temps mort demandé par Villebon et Michael Parchemin, leur entraîneur. Allez, on est reparti, la numéro 10 centrale de Fontenay au service. Tenu par Véro. Voilà. Et ça va être renvoyé Véro. Oh là 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 là. Là, ça, c'est du point. Assez, ouais, assez moche à regarder. C'est dommage. Il faut changer tout de suite là. Et le changement de joueuse. La numéro 6 à la place de la numéro 19. Alix qui revient sur le terrain. La sortie de la numéro 19. Valérie. Allez, toujours la numéro 10 au service. Joe à la récep. Allez, c'est renvoyé. Oh, la passe un peu longue. Oh là là, super de la part de Marie. Oh là 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 là, c'est brouillon là. Elle fait la passe à qui? On sait pas à qui elle fait la passe. Ah là 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 là, c'est dommage, c'est dommage. Allez, 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 allez. 21 à 13 dans ce troisième set. Tom. Et la 10 encore qui enchaîne ses services. Deuxième fois de ce match. Allez, Marie à la récep au poste 4 pour Marie. C'est posé derrière les mains du bloc, mais c'est trop facile. Allez. Et une balle out. La défense qui revient direct. Et ça sort du terrain. Et Pépette qui reprend sa place. Numéro 8 à la place 2. Alexandra, 22 à 13. Numéro 10 encore au service. Voilà, Joe. Oh là 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 là, la mésentente encore une fois de plus là derrière. Elles ont complètement lâché le match là. Ça ne saute pas sur les balles, ça va pas les chercher. Et Marie à la récep. Allez, pour Margot. Margot qui met une superbe attaque. Belle diagonale là de la part de Margot. Ouais, superbe. Et Margot au service, justement. C'est tenu par la récepte de Fontenay au poste 4. On attaque out. 23 à 15.
bien servi de la part de Margot. Allez, bien bloqué de la part d'Alix, c'est renvoyé. 4 touches de balle, allez, allez, allez. Quatre touches de balle. Allez, Margot, toujours au service, 23 à 16. Au poste 4. Oh là 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 là. Là, il n'y avait personne, là. Elle était toute seule. Le bloc était décalé de Marie. Paf, elle l'a planté. Un gros trou au milieu de tout le monde. Allez, balle de match en faveur de Fontenay. 24 à 16. Allez, Margot qui fait la récep au centre pour Alix. Alix qui fait un avion. Et c'est fini. 25 à 16. 3-7 à 0 en faveur de Fontenay. Dans cette rencontre, comptant pour la 10e journée de Régional 3 féminine, senior féminine, Île-de-France, donc qui se jouait au gymnase Saint-Exupéry de Villebon-sur-Yvette et qui opposait donc Fontenay-sous-Bois à l'équipe de Villebon. Donc voilà, donc on va se quitter sur une défaite de Villebon 3-7 à 0 et 25 à 16 dans ce dernier set. Voilà, voilà. Bon bah, on se donne rendez-vous. Prochain match qui se déroulera. Attendez, on va regarder, on va vous dire ça. Et puis voilà. Je sais pas si on va faire le. Alors attendez, on regarde. Alors, senior masculin départemental contre Épinay-sur-Orge le 5 février. D'accord. Donc le 5 février, le prochain rendez-vous sur la SVTV. Qui cette fois sera un match senior masculin départemental opposant l'équipe de Villebon à Épinay-sur-Orge. Voilà, donc à la prochaine et merci de nous avoir suivis en direct pour cette rencontre et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site de la SVTV www.svtv.fr. Voilà, à la prochaine, au revoir.